J'observe les voitures qui défilent sous ma vitre. Au compte-goutte, c'est moi qui les filtre. De la standardiste au directeur marketing, je leur autorise l'accès au parking. Mais attention à qui n'a pas son passe. Même sous la menace, je reste de glace. Deux doigts posés sur le bouton poussoir, j'interdis le passage. Je jouis de mon pouvoir de l'intérieur, de ma guérite. C'est moi qui décide qui mérite de passer de mon gueule. Reste derrière ma petite barrière de l'intérieur, de ma guérite. C'est moi qui décide qui mérite de passer devant ou de rester derrière ma petite barrière. Je sais que beaucoup me trouveront méprisable. Je sais que beaucoup me jugeront coupable de prendre mon pied à pourrir les journées, à gâcher le temps de ces honnêtes employés. Mais je connais rien qui soit plus excitant que de les rendre fous gratuitement et d'apprécier à l'abri de mon hygiène les insultes dont ils me couvrent partout de l'intérieur de ma guérite. C'est moi qui décide qui mérite de passer devant ou de rester derrière ma petite barrière de l'intérieur de ma guérite. C'est moi qui décide qui mérite de passer devant ou de rester derrière ma petite barrière. Existe-t-il une seule institution, une seule entreprise ou administration qui ne compte pas dans un bureau au fond un gars de la guérite qui dit oui, qui dit non, qui vient caché derrière un courrier type, à peu de près se tape son trip et enterre chaque jour les rêves et les espoirs de centaines de personnes, son petit pouvoir de l'intérieur de sa guérite. C'est lui qui décide, qui mérite de passer devant ou de rester derrière sa petite barrière de l'intérieur de sa guérite. C'est lui qui décide, qui mérite de passer devant.